L'Iran annonce avoir tiré des missiles en Syrie en riposte à l'attentat d'Avazols. Gardiens de la révolution iranien ont déclaré avoir bombardé lundi l'arrivée de l'Euphrate en Syrie, où, d'après ces informations, sont déployés les organisateurs de l'attentat ayant visé samedi dernier un défilé militaire à Avaz. L'attaque avait coûté la vie à 25 militaires et civils. Les gardiens de la révolution iranien ont annoncé lundi matin avoir attaqué à l'aide de « missiles balistiques » un quartier général de « terroristes » en Syrie en représailles à l'attentat ayant visé le 22 septembre la ville iranienne d'Avaz. Le quartier général des responsables du crime terroriste d'Avaz a été attaqué il y a quelques minutes à l'est de l'Euphrate par plusieurs missiles balistiques tirés par la branche aérospatiale des gardiens de la révolution, écrit l'armée de la République islamique sur son site internet officiel. Selon les premières informations, de nombreux terroristes Takfiri et les chefs responsables du crime terroriste d'Avaz ont été tués ou blessés dans cette attaque, ont-ils ajouté. Ils n'ont pas précisé à partir d'où les fusées ont été lancées. Le terme « Takfiri » est utilisé par les autorités iraniennes pour désigner les djihadistes sunnites. Il dérive du mot arabe « takfir » anathème, accusation utilisée par ces extrémistes comme justification de la violence contre ce qu'ils estiment être des impies. Perpétré le 22 septembre, l'attentat d'Avaz a été mené par un commando ayant ouvert le feu à l'arme automatique sur un défilé militaire et la foule des spectateurs. L'attaque, qui a fait 25 morts, a été revendiquée par Daesh Asterisk et par la « Résistance nationale d'Avaz » qui se présente comme un groupe séparatiste arabe. L'Iran a accusé des groupes séparatistes djihadistes soutenus notamment par des pays arabes d'avoir commis l'attaque. Il a accusé les États-Unis, Israël, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis d'être derrière l'attentat, que Téhéran a promis de venger. Asterisk organisation terroriste interdite en Russie.